Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau City Talk et on est ce soir avec Jeanne. Bonjour Jeanne. Bonjour. Alors on va parler d'un super sujet ce soir, l'expérience utilisateur, dit UX pour les intimes, confondu souvent avec le design tout court. Hein, je pense que pour beaucoup, les gens s'arrêtent à l'expérience visuelle sans imaginer tout ce qui peut se cacher derrière et tout ce qu'on a réfléchi pour leur faciliter la vie. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Je m'appelle Jeanne et je suis designer UX depuis 1 an et demi. Et avant, j'étais designer produit. Voilà. D'accord, eh bien, on va essayer de définir tout ça. Ce soir, on teste la plateforme Twitch. On a eu des petits soucis avec Facebook, donc c'est pour ça que vous nous retrouvez. Alors peut-être moins facile pour déposer des commentaires, parce qu'effectivement, c'est un peu moins populaire que Facebook. On essaiera de revenir bientôt sur Facebook. On aura résolu nos problèmes avec la plateforme. La dernière vidéo que l'on a réalisée se balade toujours dans les tréfonds des serveurs. Alors, est-ce qu'on peut-être pour commencer, on pourrait parler de ce qu'est l'expérience utilisateur? Alors déjà, l'UX, c'est anglais, hein, c'est user experience, donc désolé pour l'accent, mais en gros, oui, c'est expérience utilisateur. Qu'est-ce que ça prend en compte? Alors, il y a deux écoles. Il y a une école où l'expérience utilisateur, c'est pour tous les segments de design, hein, puisque même quand on a un objet, un espace, un magasin ou un service digital, bah, c'est l'expérience utilisateur, puisqu'il y a un utilisateur en face. Et aujourd'hui, il y a quand même comment dire, l'expérience utilisateur, c'est plutôt figé sur le digital, tout ce qui est site web, application, logiciel métier. Aujourd'hui, on a besoin de quelqu'un qui comprend l'utilisateur, ses besoins, évite de faire quelque chose de trop compliqué pour aujourd'hui exister, puisque maintenant les services qui sont trop complexes, tout simplement, on les utilise pas. Voilà, pour résumer. Ah, c'est un bon résumé déjà, c'est une bonne base de compréhension. Alors c'est vrai que pour les plus jeunes d'entre vous, alors, ou pour les plus vieux d'entre nous, hein, ça dépend toujours comment on prend, c'est vrai qu'on peut se rappeler que les débuts par exemple de l'informatique, entre autres, c'était quand même des expériences d'usage qui étaient assez particulières, assez éloignées de ce qu'on pourrait appeler la facilité. Et on a pu voir que... Je ne sais pas si on peut faire un parallèle avec tu vois, le design industriel, mais qui a quand même une évolution, une espèce d'empilement d'expérience qui fait que peut-être qu'à une époque, on est parti sur des théories. Alors, tu me diras, ça n'a peut-être rien à voir avec l'expérience utilisateur, mais je me lance, je tente, mais je me souviens de deux choses où, par exemple, on prenait un CD, on le mettait dans le lecteur, on arrivait dans une espèce de maison virtuelle. Et puis c'était en 2D, tout ça, l'image était avec des effets 3D, et puis on cliquait sur le calepin qui était sur la table, soi-disant parce que ça nous rappelait notre quotidien, c'était plus facile. Donc il y avait une icône, il y avait un dessin de calepin sur une table, et là on ouvrait le bloc-notes, et puis à côté il y avait un écran d'ordinateur, et puis ça lançait une vidéo parce que ça nous rappelait notre quotidien. On sait qu'Apple aussi a fait des essais, par exemple, ils ont une grande période où tous les revêtements des fenêtres, s'appuyer sur des textures relativement naturelles, du bois, du métal, pour avoir un... Je crois qu'il y avait toute une théorie autour du rapprochement à la nature ou des choses comme ça. Et on voit que, bon, l'UX aussi a... Enfin, moi, ce que j'appellerais l'UX, toutes ces idées pour essayer de conforter peut-être l'usager dans sa pratique ont évolué. Mais peut-être que ce n'est pas du tout de l'UX et que moi-même, je m'enferme dans une incompréhension de ce que c'est. Alors, c'est vrai qu'il y a un petit peu un mélange d'un peu tout. Si on revient un peu à la base de l'UX, mais vraiment à la base presque commerciale, hein, du métier, déjà, normalement, des sites initialement, c'était surtout développé par des développeurs, tout simplement, qui faisaient une version 1, et ensuite ils remontaient les problèmes des usagers, version 2, version 3, version 3, bref. Aujourd'hui, l'idée, c'est que développer, ça coûte cher, tout simplement. Et l'idée, c'est que avec des UX designers, on tombe directement à une V2, V3, qui plaisent déjà à beaucoup d'utilisateurs, puisque nous, en fait, on remonte directement sur nos maquettes et nos prototypes par rapport à plein de tests. Tous les problèmes qu'on pourrait avoir avec une V1 qui aurait été juste développée par des développeurs.
Donc ça, c'est vraiment la chose un peu concrète. Mais ça existe en effet aussi dans le design industriel et design produit. Initialement, on était surtout avec des ingénieurs qui travaillaient seuls. Et le fait qu'on a rajouté des designers derrière, ça permet d'avoir des produits un peu plus instinctifs, un peu plus ergonomiques en termes de prise en main et un recul sur quel est le vrai problème de l'utilisateur. Alors je vais partager une image qui est un petit peu caricaturale. Je ne sais pas si tu seras d'accord, mais c'est un exemple que j'ai retrouvé assez souvent. C'est la bouteille de ketchup Heinz, qui est à l'origine une bouteille de ketchup en verre plutôt format rond cylindrique. Et des gens ont un petit peu réfléchi, l'ont mis la tête en bas, moins besoin de secouer, d'essayer de vider sa bouteille de ketchup, peut-être une prise en main un peu plus ergonomique. Je ne sais pas si c'est vraiment une réalité, s'il y a toutes ces réflexions, mais. En tout cas, voilà, je trouve que c'était une bonne illustration de ce pas vers la facilitation de l'expérience. Oui, enfin, il y a plein d'exemples hein, au quotidien où au final on a fait du UX. En fait, le métier est quand même extrêmement jeune. Il a officiellement 5-6 ans, pas plus. Initialement, on le faisait plus officieusement. On avait toujours des petits trucs, des petits tests par-ci par-là. Mais c'est devenu presque obligatoire aujourd'hui pour avoir un bon produit, pour que ce soit aussi concurrentiel. Et voilà, en fait, aujourd'hui, on a l'UX, on a aussi le UI qui est plutôt visible puisque c'est la partie visible. L'UX est toujours un peu immergé. On fait beaucoup de choses mais qui sont pas visibles, tout simplement. Et oui, il y a plein de petits trucs et astuces, que ce soit pour les produits, pour le digital, pour l'espace. C'est un sujet assez vaste, en fait. On Donc, n'appelait pas vraiment. ça avant, tout simplement de l'ergonomie, non? Alors, l'ergonomie, c'est encore une autre discipline, d'après ce que j'ai compris d'une, je sais même pas leur nom, enfin, d'une ergonome en fait que j'ai croisée. Eux, ils sont plutôt dans l'observation et pas dans le partage de solutions. En fait, ils exposent tous les problèmes, donc ils sont vraiment très bons dans tout ce qui est analyse, immersion. C'est vraiment un travail, enfin, assez difficile. Enfin, que nous, aujourd'hui, on ne réalise pas avec aussi carré, on va dire. Et du coup, ils sont plutôt dans l'analyse de base. Nous, on va être plus sur un peu d'analyse, mais surtout essayer de trouver une solution au problème, en fait. Solutionner, faire de l'idéation. Si aujourd'hui, en fait, on prend un projet qu'on me donne, il va y avoir quatre grandes étapes, hein, si tu veux un peu savoir comment ça fonctionne, on nous pose enfin, on dirait un problème, ou en tout cas un sujet. Nous, on cherche le vrai problème, puisqu'il faut quand même qu'il y ait un problème si on veut un service qui est utile en fait à la fin, sinon on fait un gadget. Donc on va chercher le problème et du coup ce qu'on peut faire en fait pour le résoudre avec des utilisateurs en général. Il va y avoir toute une partie analyse avec des questionnaires, des immersions, des interviews d'utilisateurs. Donc c'est quand même un gros travail de fond. Je t'interromps un instant, quand tu parles de problème, c'est quoi? C'est un problème d'usage sur l'application aussi, ou c'est un problème dans la vie de tous les jours? On rencontre ce type de problème? Alors, C'est après. pas la recherche d'une solution pour comment dire, pour trouver une réponse à une solution du quotidien par un biais technique, c'est trouver un problème sur un dispositif et essayer de l'améliorer. Alors, comment dire, il y a plusieurs types de projets. Il y a bien sûr les projets avec les choses déjà existantes, le service existant qu'on va améliorer ensuite petit à petit sur plusieurs années. Mais il y a bien sûr aussi trouver une solution au problème où on n'a encore pour l'instant rien. Et bien sûr, dans le meilleur des mondes, c'est avoir un service et ne pas se dire on va faire une app tout de suite en fait. D'accord. Ça, c'est un peu le biais. Bien sûr qu'on veut faire des apps pour tout, mais c'est pas le but. Peut-être qu'un service web, un logiciel ou même du papier, en fait, ça peut résoudre. Bon, aujourd'hui, dans le meilleur des mondes, on pourrait trouver, enfin, on pourrait prendre ce qu'on désire pour faire le meilleur service. Bon, aujourd'hui, on est un peu plus digital, donc il faut en général trouver plus des solutions digitales. Ok.
Du coup, quand vous recherchez un problème, c'est-à-dire, on prend un cas, et on dit, je sais pas, je veux louer une voiture en ligne, et là, on réfléchit à tout le processus qu'on va mettre en place pour louer cette voiture-là. C'est ça que tu appelles un problème? Alors, oui, si on veut faire un... Voilà. Déjà, en fait, c'est pas vraiment un problème de louer une voiture en ligne. C'est pourquoi on a besoin de louer une voiture en ligne, en fait. Enfin, pourquoi on la loue pas déjà physiquement? Donc, quel est le problème de... On va rechercher, en fait, tous les problèmes qui posent la location physique pour qu'on passe au digital, tout simplement. Et ensuite, on va en effet poser toute la journée, toutes les étapes en fait de qu'est-ce qui va se passer. Et on va aussi bien sûr interroger tous ceux qui ont déjà fait de la location, que ce soit en ligne ou physique, et voir aussi tous les problèmes, puisqu'on a beau se dire on est omniscient, en fait le travail de designer UX, c'est surtout d'être la voix des utilisateurs et de faire comprendre aux clients ce qu'ils veulent vraiment et pas ce qu'ils pensent qu'ils veulent. Ouais, ça Je c'est sais pas si profond je suis... ça. Ça c'est un sujet de thèse. Ça c'était pour le bac. Désolé, il n'y a pas de bac cette année, mais on est bien là. L'année prochaine. Mais ouais, du coup, c'est comment dire, un métier assez créatif, certes, mais qui s'appuie quand même sur beaucoup sur l'utilisateur et sur l'analyse en fait de ses besoins. Alors justement, ça peut une question, en tout cas une idée qui revient régulièrement, c'est de l'art ou c'est une science? Qu'est-ce qui différencie l'art et la science? C'est toujours le grand débat. J'aurais pas la réponse ce soir. Mais déjà, c'est de l'art appliqué, ce qui est un peu différent de l'art plastique. L'art plastique, c'est plus tout ce qui est école beaux-arts. Art appliqué, on est plus sur quelque chose qui est un peu plus scientifique. Hein. On travaille avec des ingénieurs, on travaille avec des développeurs, on travaille avec des scientifiques. En tout cas, selon les types de design. Donc, bon, il y a un côté un peu plus, peut-être, un peu plus, comment dire, technique. Mais en même temps, c'est aussi un peu de science, puisque, en fait, aujourd'hui, on peut devenir designer UX. Il n'y a que des masters, en fait. Donc, des masters de 1 ou 2 ans. Mais initialement, on vient d'une autre formation. Donc, il y a un peu deux champs, aujourd'hui, de courant. Soit on est designer un peu comme moi, on a fait du design produit ou autre avant et on devient designer UX. Soit on a fait de l'ergonomie, de la psycho et on devient designer UX. Donc on n'a même pas le même type de designer UX dans le métier en lui-même. Et donc voilà, selon notre vécu avant, on va être un peu plus sur de la conception-création ou un peu plus sur de l'analyse utilisateur très poussée. Du coup, il y en a un qui est peut-être un peu plus scientifique et un qui est un peu plus branche artistique, même si on n'est pas vraiment. D'accord. Mais moi, le Et toi? design, ça... Que du coup, j'avais fait un double master, puisqu'en fait, de base, aujourd'hui, l'UX, on peut faire qu'un master et on vient d'une formation avant, chacun son... Sa discipline? Ouais, sa Des discipline ergonomes ou des plutôt. artistes? Alors, oui, mais bon, plus précisément, plutôt des designers, oui, des ergonomes et des psychologues, oui, en effet. Alors, je ne sais pas du coup où ça a coupé dans mon explication. Mais oui. Alors, j'essaie de remettre mes idées en place. Et oui, les soucis techniques, voilà, c'est toujours une bonne surprise. Donc, oui, de base, on peut être designer ou on peut être comment dire, d'autres formations en fait, c'est assez ouvert comme formation. C'est juste qu'il faut avoir un minimum d'empathie en tout cas pour l'utilisateur, puisqu'on est censé être la voix de l'utilisateur. Disons que comment, mieux vaut éviter de venir de tout ce qui est commerce, mais sinon ça passe. Du coup, aujourd'hui, toi, tu travailles, tu as quitté le monde des études, tu travailles? Oui, je travaille. Alors, enfin, j'ai dit au début que ça faisait 1 an et demi que je faisais du design UX, mais en vrai, ça fait plutôt 6 mois officiellement, puisque j'ai fait 1 an d'alternance.
Mais bon, en alternance, au final, je faisais à peu près la même chose. Donc oui, 1 an et demi, c'est assez court, mais en même temps, on passe assez vite senior, enfin senior, assez vite ancien en tout cas sur les projets, puisque bah, il n'y a pas tant que ça de monde. Et une fois qu'on a fait déjà 1 an ou 2 ans, on commence à faire un peu le tour du métier aussi, enfin en tout cas dans certains projets. Et voilà, en fait, il y a différents types de projets, hein. Après, il y a les projets très courts, 1 an, enfin, très courts, donc 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et ensuite, il y a les aussi projets très longs, qui peuvent être de plusieurs années sur des évolutions constantes. Donc toi, tu travailles quoi sur quoi comme type de projet? Des projets plutôt digitaux, du coup? Alors oui, toujours des projets digitaux, hein. Le design UX, de toute façon, on est plutôt sur du digital. Donc là, bah, j'ai travaillé sur des sites web et des applications. Les applications sont toujours pas mal demandées et les sites web sont pour beaucoup à refaire. Donc il y a du travail des deux côtés. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une branche plutôt sur logiciel métier. Tous les logiciels auxquels on n'a pas vraiment accès, mais qui sont là pour les métiers très, très complexes et qui ont aussi besoin de temps en temps d'être refondus. D'accord. Donc toi, l'intérêt dans la structure où tu es, en tout cas, ça a l'air d'être que tu as une multiplicité de projets différents sur lesquels travailler. C'est ça. Il y a deux types un peu de designers. Il y a ceux en agence où on est sur plusieurs projets et ceux qui sont intégrés aux compagnies. Alors moi, j'avoue que je préfère rester en agence puisque justement on est sur plusieurs types de projets. Ça permet un peu d'avoir un recul sur les autres, de changer de domaine. Puis même, je suis assez curieuse de base, donc ça permet même de changer de sujet à chaque fois. Je trouve que c'est ça qui est assez intéressant dans le design, en fait. C'est à chaque fois, on découvre de nouvelles choses. On applique juste la même méthode. Alors justement, comment ça se passe? On vient te voir, on dit voilà, on a un projet. Comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Eh bien, oui, c'est vrai qu'on nous demande. Alors, si on est sur un contexte, on a un tout nouveau projet, une toute nouvelle idée, on nous fait un petit brief. Nous, à côté de ça, on va un peu le refaire, enfin, le refaire un peu à notre sauce, enfin, le recadrer par rapport aux analyses qu'on aura faites, que ce soit au niveau des utilisateurs, mais aussi de toutes les sources qu'on trouve, en tout cas sur Internet, des interviews, des questionnaires. Enfin bref, il y a tout un fonctionnement d'analyse, ou même sur la veille et les concurrents, un benchmark. Et ensuite, on va passer à la phase d'idéation. L'idéation, c'est là où on appelle ça des tempêtes de cerveau. C'est là où va y avoir du brainstorming, c'est là où va y avoir pas mal de post-it. C'est assez cliché, mais c'est assez vrai. C'est là où va y avoir pas mal d'ateliers avec clients, utilisateurs, designers. Enfin, c'est vraiment la partie ultra créative. D'accord. Et ensuite, troisième partie, c'est la partie conception. On va faire les écrans en noir et blanc, pas de couleur. Hein. De notre côté, il n'y a pas de couleur. Ça sera noir, blanc, gris, pour faire un peu de nuance. Mais ça sera la partie où on va commencer à tester. En général, on fait une dizaine d'écrans et on commence à tester assez rapidement. Et selon les retours des utilisateurs, et ben, on refait, on reteste, on refait, on reteste jusqu'à avoir quelque chose qui fonctionne bien. Et à la fin, on passe ça au UI. Enfin, normalement, le UI est déjà en train de travailler avec nous sur les maquettes, mais en tout cas, c'est lui qui prend la main derrière. Le UI, c'est quoi? C'est dire ce bouton-là, il va être rouge pour l'utilisateur. On voit bien ce qu'on Alors, fait. c'est très réducteur. Non, les UI, c'est User Interface. Donc, certes, c'est tout ce qui est couleur, mais ça va être aussi typo, ça va être tout ce qui est animation. Tout ce qui est, comment dire, mise en page. Il y a aussi une architecture de l'information c'est tout un métier qui fait que derrière, ça va être beau, mais aussi compréhensible. Nous, on est plutôt sur la logique d'architecture, sur comment ça va fonctionner. Et certes, sur cette page, il faut tel ou tel bouton, plutôt en haut, plutôt en bas, plutôt au milieu. Mais ensuite, c'est plutôt UI qui, lui, va vraiment faire en sorte que
que la page fonctionne bien, visuellement parlant, et même en termes d'animation, que ce soit fluide, Du coup, en termes d'expérience. comment ça s'articule avec, par exemple, un designer? Parce que habituellement, par exemple, dans le web, on fait une maquette avec un designer plutôt traditionnel. C'est lui Alors, qui fait un peu les déjà, choix. Là, je ça a l'air d'être beaucoup vais te... plus long comme processus de mise en place. Alors, c'est pas... Ça peut être très long, comme ça peut être très rapide. Un projet peut se faire en un mois si on va assez vite. Mais déjà, en fait, il n'y a pas de designer normal. Designer, c'est un peu comme ingénieur, hein. C'est un métier qui a plein, plein de sous-classes. Il n'y a pas de designer. Il y a des designers produits, espace, textile, graphiste, Disons qu'on a, UX, UI. disons que par Mais designer, j'entendais peut-être plus graphiste. Pour avoir fait un petit OK. tour très rapidement en agence, c'est vrai que voilà, on envoyait le brief client à un graphiste. Le graphiste faisait sa maquette, le client validait ou pas, il y avait deux, trois retouches, et puis bonne journée, au revoir. Alors, bah, on peut faire hein, aujourd'hui, bien sûr. Le client peut en effet demander à avoir de beaux écrans. Le designer UI va les faire. Le problème, c'est que ça va être que de beaux écrans et que derrière, si on n'a pas testé les maquettes avec des utilisateurs, il peut très bien enfin, devoir redévelopper direct derrière puisqu'il y aura des problèmes. Aujourd'hui, par rapport à tous les projets que j'ai faits, en effet, il y a des projets où c'était un peu du bon sens. Si on a eu de la chance, c'est très bien passé derrière. Pas eu besoin de beaucoup de retours, mais j'ai eu des projets où c'était tout aussi du bon sens. On avait regardé la concurrence, on a fait des parcours et on s'est vraiment pris une grosse claque. Et heureusement qu'on avait fait les tests utilisateurs pour pouvoir tout changer et tout refaire, reprendre du début et avoir un vrai parcours qui marche. C'est vraiment. Il faut du bon sens, mais il faut aussi écouter l'utilisateur et on n'est pas omniscient. Donc on peut faire quelque chose de beau, mais le mieux, c'est de le faire à la fin. Donc la meilleure équipe, ça peut aller très vite, hein, la conception d'écran, mais il faut quand même que quelqu'un soit dans, comment dire, ait un regard sur tout ce qui est analyse, source, interview, enfin, en tout cas les données brutes de qu'est-ce qui a vraiment besoin, les fonctionnalités un peu primaires et secondaires. Et à côté de ça, il y a quelqu'un qui soit plutôt sur comment faire en sorte que l'expérience soit la plus fluide possible et qu'elle soit comment bien harmonisée en fait tout au long du parcours. J'ai un peu l'impression qu'on Voilà un peu préfère un peu l'idée. le distinguo entre le marketing, comme pour le marketing et la communication, où le marketing Oui, est un peu en c'est. amont et pour réfléchir aux cibles et ainsi de suite, et la communication qui met plutôt en forme. Ah, c'est vrai que c'est deux métiers différents. Après, il y a des designers qui se disent UX, UI. Moi, je trouve qu'on a toujours une tendance à être plus UX ou plus UI, puisque ce n'est pas non plus le même métier de base. Mais oui, en fait, c'est deux métiers qui se suivent et en même temps enfin, on est censé travailler ensemble. C'est des phases directes en amont, normalement, du projet. Et oui, en effet, on doit travailler main dans la main. Et si, comment dire, tu veux une métaphore un peu qu'on voit beaucoup Oui, une sur image, Internet. fais-nous rêver. Non, mais ça se voit beaucoup, c'est l'image de l'iceberg, tout simplement. Le haut de l'iceberg, c'est un peu le UI, c'est ce qu'on voit. Et toute la partie immergée, toutes les Voilà. recherches qui sont faites, c'est l'UX, en fait, c'est ce qu'on voit jamais. Euh, Ce c'est, c'est très dur à vendre au client, en général, parce qu'il ne comprend pas vraiment l'intérêt. qui est incroyable, Mais c'est c'est ce que qui est hyper important. Comment? j'ai cette image. Attention, je vais la pousser sur le live, c'est impressionnant. Ouais, alors on voit ma souris, je suis désolé, mais la casse n'était pas prévue. Voilà, on a un super iceberg sur le live pour vous illustrer les propos de Jeanne. Merci pour l'illustration. Mais oui, voilà, c'est deux métiers un peu différents. Et on peut même aller un peu plus loin. Aujourd'hui, il y a même une sous-catégorie qui s'appelle Research UX. Donc, c'est plutôt la partie analyse de l'utilisateur en profondeur. Donc, plutôt des psychologues ou des ergonomes qui se spécialisent dans l'analyse. Vraiment très pointu, qui peut prendre plusieurs mois hein, en termes d'immersion et tout ça, tout ça.
pour ensuite nous délivrer toutes ces données extrêmement importantes. Parce que est-ce Mais là que encore, il faut avoir le budget. est-ce qu'on a déjà pu voir des choses comme par exemple l'ice tracking ou dans par exemple Ouais. des systèmes d'analyse de trafic internet comme par exemple Google Analytics? On a aussi les zones plus ou moins chaudes sur lesquelles l'utilisateur va passer plus de temps. C'est des choses que vous regardez en UX? Alors oui, mais du coup pour un seul type de projet, c'est les projets où, enfin, c'est les projets en général où il y a déjà un site ou en tout cas un service existant. D'accord. On peut pas le faire Et oui, on ne peut sur pas quelque chose deviner qui n'existe le pas. trafic qu'on aura demain. Voilà, c'est ça. En général, ça peut se faire ensuite sur la V1 et ça va enrichir la V2. Mais oui, c'est des outils bien sûr qui sont utilisés, mais plutôt pour les projets déjà existants. Alors comment ça s'interface, par exemple, ton activité avec des systèmes de développement comme la méthode agile ou Scrum, où finalement il y a des itérations très régulières du produit? Alors, nous, on travaille parfois en sprint design, comme on appelle. Enfin, D'accord. c'est un peu copié sur les développeurs, hein, puisque de toute façon, on doit travailler main dans la main avec les développeurs. Et de temps en temps, c'est une fonctionnalité par semaine. Donc, c'est très intense, puisque c'est sur une semaine, donc on ne le fait pas tout le temps. Mais ça permet de développer des fonctionnalités en une semaine. Enfin, une fonctionnalité par semaine, donc tout un lot d'écrans par semaine. Et comme tu m'avais dit, la méthode LeanUX, bon, c'est pareil, c'est des méthodes très très rapides. Faire des produits, des MVP, des produits minimum viables, le bébé un peu du produit en 2 semaines. Dans ces cas-là, oui, on va avoir une méthode très carrée et très rapide. Mais en général, selon les projets, selon le temps, selon le client, selon tellement de paramètres, on n'aura pas toujours les mêmes méthodes en fait, selon si le client est disponible, s'il n'est pas disponible, le nombre de designers, le temps, le nombre de développeurs. Enfin, il y a tellement de paramètres qui fait que chaque client a un peu sa méthode sur mesure, quoi. Enfin, en tout Comment? cas dans mon cas. D'accord. Toi, tu travailles sur des projets de long cours où finalement la partie UX revient régulièrement pour itérer le projet et l'améliorer en permanence, ou finalement, vu le coût que ça peut représenter, une fois qu'on l'a fait une fois, mis à part pour une version majeure, on ne revient pas en général sur les projets? Alors, enfin, il y a si, en fait, il y a 2 projets que j'ai fait sur long cours. Il y en a un où il y a eu une vraie refonte, puisque le service existait depuis un moment, mais perdait un peu de sa valeur par rapport à l'interface. Donc, il y a eu une vraie refonte, et ce qui est assez intéressant, c'est que ça continue toujours, il y a toujours des remontées, et petit à petit, il évolue. Donc, c'est ce qu'il faut faire, en fait, puisque même quand on fait une refonte, global, ben, c'est pas parfait. Il y a plein de choses qu'on pense pas. On teste en fait les parcours principaux, mais on peut pas tout tester. C'est beaucoup trop de travail, beaucoup trop de temps. Donc, il y aura toujours des trucs qu'on aura testés et au final qui marchent peut-être pas, même si on avait des avis positifs. Donc, oui, hein, j'ai déjà fait des projets évolutifs comme ça sur 1 an. Là, je suis sur un projet depuis 1 an aussi, donc normalement, je vais enclencher sur un autre derrière. Et pareil, c'est un projet où on passe d'une fonction à l'autre et on essaye d'améliorer petit à petit le produit. Est-ce qu'il y a un ratio un peu entre guillemets habituel, traditionnel, sur le temps passé en UX sur un projet par rapport, par exemple, au temps de développement ou au coût général du projet? J'avoue que je n'aurais pas les chiffres. Je sais juste que quand on m'avait expliqué un peu assez rapidement tout au début qu'est-ce que tel UX, on m'avait dit qu'en gros on sauvait 20 000 à 30 000 euros de développement. Donc je ne sais pas à quel point c'est réaliste. Hein. J'ai jamais vraiment regardé les chiffres. Mais voilà, ça sauve en tout cas en termes de chiffres. Les premiers développements qui peuvent derrière ne pas marcher en fait par rapport à l'utilisateur.
Et pour ce qui est du temps, bah là, ça va être au niveau du client, en fait. Le client, bien sûr, veut du UI, puisqu'il faut que ce soit beau. Mais ensuite, suivant le budget, on va avoir plus ou moins le temps de faire de l'UX et donc de faire plein de tests. D'accord. Ce qui est en général très difficile à vendre. Puisque les tests sont aujourd'hui, sont comment dire, au cœur du projet normalement, mais sont toujours très difficiles à mettre en place, puisqu'il faut un panel d'utilisateurs, il faut faire des interviews avec des utilisateurs existants ou non, donc c'est toute une démarche à mettre en place, et selon si on a un panel ou pas. Enfin, bref, il y a toute une histoire de coûts et de temps qui peuvent freiner en général. Le client, alors que c'est vraiment dommage puisque c'est le cœur du métier. Donc une fois que vous avez fait tout ce qui est enquête, sondage, études, qu'est-ce qui ressort de tout ça? C'est des wireframes, c'est des maquettes, c'est des schémas fonctionnels? Alors déjà, en premier lieu, on va avoir des empathy maps, des Des user empathy maps, journey, ça donc c'est c'est beau ça. des user journey. En fait, c'est plein de, et des personas bien sûr, c'est plein de comment dire, de méthodes et de supports qui vont nous permettre de résumer tout ça. Les Les personas, c'est des personas, clients c'est, types, c'est ça? voilà, exactement, qu'on retrouve un peu en marketing, mais on n'aura pas exactement la même façon de faire. Les empathy maps, bah, c'est plus en termes de comment va se sentir l'utilisateur. Et les user journey, c'est comment l'utilisateur va tout au long de la journée ou même tout au long du service réagir, quels sont les problèmes, quelles sont les opportunités. On va prendre en fait tout ce qu'on a entendu et les mettre sur tous ces documents en fait. On va bien sûr résumer, puisque sinon hein, si on se balade avec toutes nos feuilles de données pour faire des wireframes, on est perdu. On s'en sort plus. Et voilà. Et puis après, du coup, bah oui, en effet, on va commencer à dessiner. Alors, moi, j'avoue que je préfère aller au crayon, faire du zoning, qu'on appelle ça. On fait des petites maquettes, des rectangles, des croix, des choses très simples, hein, qu'on n'a pas besoin d'être designer pour dessiner, pour faire en fait l'arbre, l'arborescence, comprendre un peu comment ça va fonctionner. Si on clique là, qu'est-ce qui se passe? Quel est le parcours de base? Ce genre de choses. Et ensuite, en effet, on passe au wireframe, comment dire, en noir et blanc et gris. Est-ce qu'il y a des choix cornéliens, par exemple, qui viennent voilà, après une étude UX, quand il faut choisir Alors, les solutions, les propositions, ou en général, finalement, le compromis est assez facile à trouver? les choix, c'est vraiment, c'est tout au long du projet. En vérité, on a beaucoup d'ateliers en fait, des ateliers de tri de cartes, des ateliers 6-to-1 entre designers avec les utilisateurs, puisque au final, on a beau se dire bon bah c'est du bon sens ou les concurrents le font, il y a toujours des problèmes de hiérarchie d'information ou de est-ce que enfin à quoi sert ce bouton? Est-ce qu'on va mettre un bouton? Est-ce qu'on en met deux? C'est toujours plein de questions et c'est toujours mieux d'avoir deux UX qui travaillent sur un projet plutôt qu'un, parce que un, en général, on se noie un peu sous toutes ces questions. À deux, au moins, on réfléchit à deux cerveaux, ça va un peu plus vite, et on se challenge surtout dessus. Donc oui, les choix, en fait, c'est tout au long, hein. Même en posant les écrans, en les refaisant, Et en ayant des problèmes avec les... c'est qui décide tout ça finalement? Il y a un lead UX designer, c'est les chefs de projet, en général on est plutôt autonome sur les choix. Alors en général, on est plutôt autonome sur les choix et on va ensuite montrer tout ça aux clients. Le mieux, c'est encore d'avoir fait certains choix, certains parcours, d'avoir fait des tests et de montrer le tout au client pour lui dire voilà, qu'est-ce qui en est ressorti, puisque le client n'est pas non plus spécialiste. Donc même si, enfin, sur des maquettes en noir et blanc, c'est assez compliqué de se projeter comme ça aussi rapidement. Donc voilà, ça va être plus avec comment dire, des tests et des retours utilisateurs, même très rapides, hein, entre collègues ou avec des proches, des tests guérilla dans les rues. Ça peut C'est quoi ça? être On très saute rapide et c'est plus. sur les gens dans la rue?
Presque. On arrive avec notre maquette et on fait, est-ce que vous avez du temps à nous accorder pendant 5 minutes? On a juste une petite maquette à vous faire tester. Oui, c'est pas si facile que ça. Après, selon les clients, sont plus ou moins présents. Le chef de projet peut être là pour tout ce qui est plutôt technique et nous dire non, non, on peut pas le faire. Mais du Mais coup, oui, en général, on est plutôt autonome sur les parcours. c'est quand même tout de suite sur. Enfin, j'imagine que tu interviens ou les gens de ton métier interviennent quand même plutôt sur des projets qui sont tout de suite assez conséquents, non? Parce que ça a l'air de demander un certain nombre de jours hommes sur ce type d'analyse et ça va pas être à la portée de tout le monde. Je ne sais pas combien c'est une Alors, journée homme en UX, mais par exemple, un développeur, c'est assez facilement 500-600 euros la journée. c'est vrai qu'après moi, je ne travaille pas en tout ce qui est freelance et tout, donc je ne sais pas trop à quel point on est en journée homme. Mais après, ça dépend des projets, hein. C'est si tu veux un projet très rapide, mais très basique, on peut faire un peu sortir un service en 2 mois. Bon, après, il faudra quand même qu'il y ait au moins deux, trois designers pour tenir la cadence. Alors je sais même plus ce que je disais. Mais Que voilà, en ça termes va, ça peut d'analyse, être à tout type de projet a priori. je me perds Dans tes dans pensées. mes réflexions. Mais oui, en fait, la phase d'analyse peut être de 2 semaines à 3 mois. Ça va dépendre du budget. Ensuite, après la phase d'analyse, il va y avoir des tests sur ce qu'on a fait. Donc ça aussi, ça va être plus ou moins présent, selon si on a le temps ou pas. Voilà, après, c'est des risques à prendre si on fait les tests au dernier moment, puisque ça veut dire que bah, peut-être que ça ne marche pas et qu'il faut tout refaire. Mais oui, les projets peuvent passer de 1 an, enfin de 1 mois à 1 an, en fait. Ça va dépendre vraiment du périmètre Alors, est-ce que et du toi, budget surtout. tu as des... Est-ce qu'il y a un ou deux sites qui te font rêver, toi, par exemple, tu dis l'UX, c'est incroyable. Parce que dans ce que tu dis, j'ai l'impression que tu travailles toi, dans une petite équipe. Ouais. Et que j'imagine que des gens comme les grands GAFA ou autres, ils doivent avoir des armées de gens qui travaillent ensemble. C'est ça. Bah, oui, en fait, pour être honnête, déjà, quand on a un nouveau service à faire, la première chose qu'on fait, c'est voir comment les GAFA font, puisque bon, tout ce qui est Facebook, Google, ils ont une armée de designers qui ont déjà fait des études sur les sujets en général. Donc on regarde en effet comment la grande majorité fonctionne. On regarde si on a eu une bonne expérience aussi, si au final ça nous dérange. Et le but, oui, c'est de voir comment beaucoup fonctionnent pour faire en sorte que les benchmarks, comme on appelle ça, c'est vraiment quelque chose d'assez central en UX, puisqu'on va voir comment font les autres. On ne peut pas innover tout le temps. S'il n'y a pas de nouvelles technologies, de toute façon, ce n'est pas l'innovation. Donc de toute façon, à chaque fois, on fait un mix de ce qui existe déjà, tout le monde. Et Donc vous voilà. suivez et indirectement vous Oui. suivez les modes graphiques, non? Parce que par exemple, je sais pas, il y a eu la grande période du flat design, j'imagine qui a dû C'est ça. impacter quelque part l'UX, parce que ça a Alors, dû remettre en jeu des choses, non? Ou pas du tout? pas spécialement, puisque tout ce qui est flat design, c'est graphisme, donc Bien c'est sûr. plutôt sur le UI que ça a eu un impact. Mais Mais ça a non, rien c'est changé, plutôt non, dans grand. la manière de penser. Comment structurer un service? En fait, flat design pour moi, c'est plutôt sur les illustrations et les icônes. Tout à fait, on met des aplats de couleurs pour ceux qui sont un peu moins spécialistes. Ouais. Donc, oui, tout est en 2D. Donc pour moi, c'est plutôt sur du UI là qu'on parle. Après, en effet, il y a eu à un moment donné une tendance qui est déjà assez vieille, hein, mais tout simplement du scroll dans les landing pages. Tout ce qui est homepage qui scroll, enfin, c'est pas si vieux que ça. Bon, ça a quelques années tout de même. C'est vrai que Mais là, la ça a one en effet page changé l'UX. infinie, c'était une nouveauté. Ouais. C'est ça. Donc là, en effet, on peut dire qu'il y a eu un changement en termes d'UX. Mais bon, voilà, le travail aussi des designers en général, c'est de faire de la veille tous les jours. Enfin, pas tous les jours, mais toutes les semaines, on est quand même obligé de voir un peu ce qui se fait de nouveau. Nouvelles techniques, nouvelles technologies.
Nouvel type d'ILU, enfin c'est. Est-ce que parfois des On est obligé langages de suivre un peu. de programmation ou des frameworks apportent des surprises? C'est vrai que, ou peut-être pas du tout, parce que finalement, on peut créer le rendu visuel qu'on veut et l'algorithmique appuie la réflexion UX, j'imagine. Mais c'est vrai qu'on a régulièrement des Alors. nouveaux frameworks de programmation qui sortent. Est-ce que ça impacte ou pas vos réflexions? Alors moi je vais être franche, hein, je ne connais rien du tout à la programmation. Ok. C'est pas bien. Ça serait bien qu'on ait quand même un minimum de base. Mais oui, non, en fait, en vrai, on essaye d'avoir les développeurs assez rapidement dans le projet pour que tout de suite il y ait un dialogue et qu'ils nous disent bon bah ça c'est possible et ça c'est pas possible. Ou en tout cas qu'il y ait le chef des développeurs qui communique avec nous assez rapidement. Aussi, alors, en tendance, par exemple, dans les années 90, on était beaucoup sur des menus à gauche, des grands menus latéraux à Menu burger, gauche. oui. On est passé dans les années 2000 à un menu plutôt en haut, avec des menus qui se déplient quand on passe dessus. Il y a eu la période du mobile aussi qui a dû être un sacré casse-tête pour vous, parce que rentrer toutes ces petites choses sur un écran par rapport aux larges écrans qu'on avait avant. J'imagine que le passage peut-être Ouais. du 4 tiers au globalement 16 neuvième ou des variantes aussi a dû creuser les ménages. Les menus, alors c'est toujours de lui, mais j'imagine que ça a quand même un sacré impact sur lui, que c'est les menus sandwich Alors, hamburger pour ouais, mobile. bah, les menus en général, c'est plutôt nous qui les posons. Alors, en effet, il y a les menus burger ou les tab bar en bas. Et après, en général, un service, quand il est sur mobile et sur Internet, le mieux, c'est de faire du mobile first, c'est-à-dire qu'on réfléchit d'abord le mobile et ensuite le desktop, enfin l'ordinateur, puisque tout simplement, c'est plus difficile de mettre plus d'infos sur mobile. Donc, en général, on coupe déjà un peu pas mal sur le mobile pour avoir la place ensuite sur le desktop. Ok. C'est déjà un bon tour de tout ce que vous faites. Ça, c'est assez varié. Ouais, c'est un peu technique peut-être de temps en temps. Mais par exemple, c'est vrai que les GAFA, alors moi, il y a un endroit où je trouve qu'il y a vraiment un pan entier de travail à faire, c'est sur les menus d'administration. Par exemple, pour un des réseaux sociaux les plus proches de nous, qui est Facebook. Quand on va Ah oui. trifouiller les options dans les pages d'administration, c'est complexe. C'est complexe vraiment à trouver les options qu'on recherche. Donc il y a des pans entiers encore Ouais. du UX à travailler. Bah, après, je ne sais pas à quel point ça dépend aussi comment dire, de la volonté en fait du groupe. C'est que j'ai pas l'impression qu'ils veulent qu'on trifouille trop non plus. Parce C'est pas qu'il y a faux. des services qui le font beaucoup plus facilement. Donc voilà, il y a des choses à copier, des choses où il faut faire attention et éviter de rentrer dans le piège, en fait. Facebook, aujourd'hui, c'est quand même sur pas mal de services et j'ai pas l'impression que trifouiller Les toutes les options. données soient faites en sorte que ce soit facile, quoi. Alors pour s'éloigner un petit peu de l'UX, alors j'ai eu l'occasion de te voir à l'œuvre également en dessin lors d'un magnifique ouvrage. J'écris ma maison volume 3, si je ne m'abuse, volume 2, 3, je ne sais plus, où tu as fait une magnifique couverture qu'on va partager. Oui. Donc tu es un peu, ou même pas un peu, tu es toi-même artiste. Est-ce que tu réussis à combiner parfois des fois avec des tendances UI? Est-ce que c'est un penchant qui est dur à réfréner? Alors, tendance artiste, je dirais pas ça, mais oui, j'aime bien dessiner. C'est quelque chose que je fais depuis le début, depuis toute petite, hein, si on veut rester cliché. Et c'est ce qui m'a un peu poussée aussi vers le design. Mais en vrai, aujourd'hui, pour être UX ou UI, il n'y a pas besoin de savoir dessiner. On est quand même sur des choses très carrées et quoi. Et même les UI en général, je connais une bonne partie qui ne savent pas dessiner, hein, qui ne font pas d'illustration. L'illustration, c'est encore un autre métier. Pour tout ce qui est illustration de site ou d'icône, ça peut être encore quelqu'un d'autre. Et du coup, moi, j'avoue que comme je ne sais pas dessiner digitalement, je ne l'utilise pas dans mon métier en fait, mais j'aime bien
le faire pendant une réunion pour éviter de perdre le fil, par exemple. Tu fais du alors que comment ça s'appelle? Le terme va m'échapper. Quand tu dessines effectivement pendant une réunion pour illustrer le contenu de la réunion, de la facilitation graphique, voilà, ça me revient. Oui, c'est pour rester concentré, ça m'aide à éviter de partir trop loin dans mes pensées. Mais oui, du coup, c'est plus un loisir, un passe-temps à côté, mais qui n'a pas vraiment. En tant que designer produit, je pouvais l'utiliser, mais en tant que designer UX, en effet, il y a moins d'intérêt. Bah tiens, on a pas parlé de cette ancienne vie. Designer produit, ça consiste en quoi? Alors, designer produit, c'est très large. On peut être designer de mobilier, designer d'électroménager, d'électronique, de voiture, de tout en fait. Tout ce qui est produit, tout ce qui existe, qu'on peut prendre à la main, bah, c'est un produit. Donc, on a besoin de designer. Enfin, on a plus ou moins besoin selon les produits de designer. Et au final, je suis passée designer produit et designer UX, puisque l'essence même du métier est assez similaire. Hein. On est sur un problème qu'on va résoudre avec un produit et il faut faire attention à l'utilisateur qui est en face et comment il va l'utiliser. Donc on reste assez proche. Et en général, on a une formation assez générale et on se spécialise dans l'entreprise puisque tout simplement les sujets sont multiples. Voilà, on va Je sais pas penser si j'ai bien à expliqué. ouais, on va penser à Philippe Starr qui fait un peu tout et n'importe quoi, par exemple. Je pense un des Voilà. plus connus, non? Voilà, il fait de la On machine à est. Nespresso, j'imagine, à la Freebox, en passant par la flamme olympique. C'est ça, c'est lui qui a fait connaître le métier, on va dire. Mais comment dire? Il y a beaucoup de designers aussi qui sont moins connus, mais qui travaillent. Enfin, Ikea, par exemple, a des designers, bien sûr. On imagine, pour qu'on perde des vis chez nous, c'est ça? Oui, mais c'est surtout qu'il faut faire un produit pas cher. C'est ça qui est le plus chiant. Ça, c'est une contrainte qu'on a dans le design produit, j'imagine. Le choix des matériaux, tout Oui, ça, bah pour la oui. contrainte économique. Choix des matériaux, tout ce qui est budget. On n'a pas vraiment les mêmes contraintes. Si on a un gros budget, qu'on peut utiliser des matériaux nobles, que si on doit utiliser le moins possible. Et que derrière, il faut quand même que le produit tienne debout, quoi. Et qui dure quelques années. Voilà. Bah très bien, bah je crois qu'on a fait pas mal de sujets différents. J'espère que celles et ceux qui nous auront suivis auront voilà, quelques pistes de réflexion sur ce métier qui est souvent méconnu ou confondu, hein. C'est vrai que on a essayé de faire la différence entre X et UI. Ce que je te propose, c'est qu'en description, on mette deux, trois liens vers des trucs que tu trouves bien faits. Ok. Voilà, qui feront rêver les foules. Parce que c'est vrai qu'en graphisme, par exemple pour le web, voilà, il y a des sites qui sont un peu, peut-être, qui ont un peu perdu leur super, mais par exemple, il y avait CSS Mania, entre autres, voilà, qui faisait des compétitions de mise en page de sites. C'est vrai que des fois, on pouvait vraiment être bluffé. Il y a des grands sites aujourd'hui comme Behance de chez Adobe qui permettent aussi de découvrir de très belles choses. Mais finalement, en UX, j'ai l'impression que ça existe un petit peu moins. Ces choses qui mettent en avant plutôt finalement la réflexion, la manière dont on a résolu un problème dans le sens expérience utilisateur du terme. Donc un problème de vie courante qu'on essaie de rendre possible grâce à une technologie. Ça pourrait être une définition. Oui, mais du coup, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué aussi, puisque j'avoue que là, de temps en temps, je vais voir par exemple le site qui s'appelle Awards, pour voir un peu les autres sites aussi. Enfin, il y a plein de sites qui font un peu de veille, mais c'est toujours plus simple de voir un beau site fluide. Enfin, en général, on ne partage pas en fait tout le travail derrière. C'est confidentiel. Donc, on ne peut pas savoir en fait quel a été. Quel a été tout le process pour arriver jusqu'à là. Donc, il est en effet plus simple de montrer ce qui marche et ce qui est joli. Tout à Par fait, exemple, et on un s'arrête exemple souvent là. tout bête, hein, mais Le Bon Coin, il n'est pas spécialement très, très beau. Ou la Craigslist aux Désolé, Le États-Unis, Bon qui est Coin. un contre-exemple aussi, si on peut faire le parallèle.
La Craigslist, qui est aussi un des sites les plus visités dans le monde et qui est vraiment très moche, comme Wikipédia d'ailleurs. Mais parfois, ils sont très bien faits, en fait. Donc, c'est compliqué à voir, en fait. C'est plus en termes d'utilisation. Une fois qu'on est dessus, on le voit. C'est vrai que c'est un petit peu ce que tu disais au début. Des fois, on travaille avec que des designers sur un projet. Et finalement, des fois, les premières versions sont assez moches. C'est vrai qu'on peut penser à certains frameworks ou moteurs de sites internet comme Speep, par exemple, qui est très puissant, mais dont les templates sont vraiment horribles. C'est des gros carrés, des grosses boîtes. Alors que, par exemple, WordPress va essayer, ou d'autres moteurs, hein, j'ai pas d'action, ou d'autres moteurs vont déjà travailler ce côté-là pour rendre l'usage plus simple. Bah, en fait, de toute façon, les meilleurs sites UX, c'est ceux auxquels on se dit, enfin, en fait, on n'y pense pas, en fait. C'est ceux qui sont les plus fluides et il n'y a aucun problème. Et c'est ceux, du coup, auxquels on n'y pense jamais, puisque pas de problème, donc on ne bute pas dessus et tout se passe bien. Et voilà, en fait, on ne va pas y penser plus que ça. Peut-être une dernière chose, est-ce que tu aurais un petit conseil lecture UX pour ceux qui voudraient découvrir cet univers ou que ce soit la vulgarisation un peu solide? Alors, il y en aurait peut-être un, mais ce serait The Design of Everyday Things de Don Norman, qui peut être pas mal, Eh bien, mais qui est en anglais. je le mettrai en description. Bah merci beaucoup Jeanne pour tout ça, pour cette découverte, voilà, ce voyage dans l'univers du UX, du UI, du design produit. J'espère avoir été assez claire, parce que je peux de temps en temps partir un peu dans tous les sens. On a vu que la réflexion était profonde. En plus, on a eu un souci technique au tout début, là, ce qui nous a un petit peu perturbé. Mais j'espère que vous aurez apprécié ce live. Je vais rassembler les deux petits morceaux. On se retrouvera très prochainement en entier sur YouTube et sur Facebook. Et puis, eh bien, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, on refera un second live pour approfondir ces notions. On verra. Merci beaucoup, Jeanne. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur les Merci à toi de internets. m'avoir invité. Oui, je suis les prochains talks. Super. À Merci. très Au bientôt, bonne revoir. soirée. Bonne soirée.